Bonjour à tous et bienvenue sur BAC FM 106.1 dans l'émission À quoi qu'on joue ? Votre rendez-vous mensuel sur l'actualité ludique de la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du Jeu et je vous présente cette émission. Alors, comme tous les mois, je reçois un invité et pour aujourd'hui, nous serons en compagnie d'Emmanuel Muller, dit Manu, qui vient nous parler de la prochaine ouverture de son magasin de jeux qui ouvre donc sur Nevers et qui va s'appeler Le Repère. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Alors oui, moi ça va, merci. Bienvenue dans À quoi qu'on joue. Hein. Merci d'être mon invité ce mois-ci. Alors Emmanuel, Manu, hein, je vais t'appeler Manu durant, ouais, durant c'est cette interview. C'est plus simple. Ouais. C'est plus sympa, c'est ton surnom je crois en ouais, plus. C'est ça. Hein, on va en profiter. Alors Manu, est-ce que avant qu'on commence et tout ça, est-ce que tu veux bien pour nos auditeurs te présenter en quelques mots ? Eh ben, donc je m'appelle Manu, alias Nours, petit trapu barbu, donc forcément Nours. D'accord. Donc moi j'ai un parcours un peu professionnel assez atypique. En gros, j'ai travaillé pendant 6 ans dans l'animation avec des jeunes. Ouais. Puis après, je suis parti en boucherie pendant 3 ans et j'ai fini par travailler dans un magasin de jouets. D'accord. Donc voilà, un parcours assez atypique, quoi. Animation boucherie peut-être, non ? Non, animation avec des jeunes de 6, même 4 ans, de 4 à 12 ans. Bon, d'accord, super. Alors, merci Manu. Tu sais, notre émission s'appelle « À quoi qu'on joue ?» Donc, moi, j'aimerais savoir, toi, à quoi tu joues ? Ben, je joue un peu à tout, surtout jeux de cartes, jeux de plateau. Depuis peu, je me suis lancé dans le jeu de figurines. Après, je suis vraiment touche à tout. J'adore le jeu en général, même le jeu de rôle. Donc, je touche vraiment un peu à tout. Ah super. Est-ce qu'il y a quelques titres de jeux que tu pourrais nous citer que tu affectionnes ? Eh ben, en ce moment, je joue beaucoup avec ma petite amie qui n'est pas du tout du jeu de société à la base. Ouais. Et elle commence à s'y mettre un petit peu. Donc ça, c'est cool. On joue pas mal à Carnival of Monsters en ce moment. C'est un petit jeu de draft et de gestion un peu de ressources qui est assez sympa. D'accord. Donc alors, les traductions pour nos éditeurs qui sont pas joueur, un jeu de draft, c'est un jeu de cartes. Ouais, c'est en un fait, jeu de cartes, hein, voilà, où on fait passer le paquet de cartes, on prend une carte à chaque fois et on laisse le paquet à l'autre avec une carte en moins. D'accord, exactement. Bon. Et tu me disais, tu t'es mis au jeu de figurines récemment. Alors, à quoi tu joues en figurine ? En figurine, je joue à Warhammer. Je me suis mis à Warhammer 40 000 avec mon frère qui s'y est mis aussi. Ouais. Et on fait pas mal de parties de Kill Team parce que vu qu'on débute, on n'a pas forcément la quantité de figurines qu'il faut pour faire une grosse partie. Donc, Bien sûr. Souvent des parties de Kill Team le soir, avec même mon papa qui joue avec nous des fois. Ah, super. Donc, Kill Team, encore une fois, si on devait traduire pour nos auditeurs, le but, c'est d'annihiler l'armée totalement, ça, l'armée adverse. Et alors c'est vrai qu'on parle pas souvent nous de jeux de figurines là sur l'antenne. J'ai pas eu l'occasion de recevoir très souvent des figurinistes, mais pareil pour moi c'est pas un loisir que je pratique très souvent. Bien que dernièrement, il y a quelques années, je m'étais mis à X-Wing miniature. Oui. Hein, tu connais ? Ouais. Moi je connais. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Alors X-Wing miniature, en fait, le principe, vous avez des vaisseaux issus de la licence de la Guerre des Étoiles. Vous avez soit des vaisseaux de l'Alliance Rebelle ou de l'Empire. Hein, ou selon les époques peuvent porter d'autres noms, mais globalement vous êtes soit les méchants, soit les gentils. Il y a aussi une autre faction qui est en place, et vous transformez votre table en bataille spatiale en fait, avec des règles assez proches des jeux de figurines classiques où on peut déplacer d'un certain nombre de centimètres ou de mouvements son vaisseau et avoir un certain nombre d'actions limitées pour essayer de détruire les autres. Et c'est vrai que j'avais trouvé que ça, en gardant les principes du jeu de figurines, j'avais trouvé que c'était un jeu qui renouvelait bien le genre et qui était assez sympa. Et je crois qu'il est toujours populaire. J'y ai joué quelques années. Il y a des joueurs en plus dans la région que j'ai pu rencontrer sur quand je travaillais dans le magasin de jouets justement. Ouais. Il y a des joueurs dans la région qui sont demandeurs en plus d'événements. Que conservateur du jeu, c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait mis en place des tournois de ce jeu-là. On l'avait fait pendant 2 ou 3 années de suite. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas continué après. Il faudrait qu'on y repense. Alors, plus sérieusement, Manu, donc tu es venu ici aujourd'hui pour nous parler de l'ouverture imminente du repère. Hein. Alors, le repère, Manu, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, le repère, ce sera une boutique de jeux de société au sens large, parce qu'il y aura tous les styles de jeux de société, du traditionnel, du jeu de rôle, du jeu de figurines, d'accord, du jeu de cartes, du jeu de plateau. Donc, tous les aspects du jeu, en somme. Tous les aspects du jeu. Et en plus, la particularité, c'est qu'il y aura un petit coin snacking. Donc, en gros, vous pourrez venir manger un sandwich froid, un panini chaud, boire un coup, donc pas d'alcool. Ouais, d'accord. Donc boire un coup, genre un petit coca, un café, un thé, ouais, et venir jouer aussi sur place. Donc ça, en fait, ce sera une boutique qui aura
une salle de jeu. Donc en fait, vous pourrez venir jouer sur place et manger un bout. Donc ça, c'est vachement bien, puisque tu vas faire à la fois la vente, à la fois la possibilité de pratiquer et à la fois la possibilité de se restaurer. On est sur le concept d'un café-jeu, finalement. Bon, c'est pratiquement un café-jeu, sauf que je préfère l'aspect snacking, étant de la boucherie, étant de la bouche, une des métiers de bouche. Je préférais plus partir sur ce genre de choses que sur un bar à jeux ou... Oui, voilà. Bien sûr. Et tu comptes mettre en place un système comme dans un bar à jeu où lorsqu'on veut tester un jeu, on doit payer quelque chose ou être obligé de prendre une consommation, enfin je sais pas. Alors ce sera après une conso, on peut essayer un jeu, il y aura pas de souci parce que je vais faire la location de jeu aussi. Ah. Et tous les jeux qui seront en location seront jouables sur place si on prend une consommation. Super. Eh bien, Manu, ce que je te propose, c'est qu'on fasse tout de suite une petite pause musicale et qu'on rentre dans le détail de tout ce que tu vas proposer dans le repère d'ici peu, juste après. Alors, on va écouter un morceau de 633 qui s'appelle I'm Nerd. Allez, c'est parti! We'll be right back.
Welcome to In your account, you currently have 18. Et voilà, c'était I'm Nerd de 633. Alors Manu, c'est toi qui nous a apporté ce morceau. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ce que tu nous amènes ce morceau ? Eh ben, c'est parce que ce morceau, il me représente un peu, parce que d'une, je suis un nerd. Voilà. Et de deux, c'est pour le côté un peu foufou du morceau, le côté un peu métal, mais pas que. Il y a d'autres styles qui sont dans la musique, comme on a pu l'entendre. Et du coup, j'aime bien le mélange de genres, en fait. Voilà. D'accord, très bien. Tu dis que tu es un nerd. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous définir ce que tu penses être un nerd? Un nerd, si on regarde la définition, c'est un passionné. Ouais, je sais bien, donc, c'est pour ça que je te pose la question. donc c'est pour ça, mais moi, comme je me vois en tant que nerd, c'est que je suis passionné par les jeux de société, par le jeu vidéo aussi, et tout l'univers un peu geek. J'adore ça depuis que je suis tout petit. Et ouais. Forcément, les années 90, on est bercé dedans. Et ben, c'est exactement ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui a bercé Qu'est-ce qui a bercé ta culture de geek ou de nerd? Et que ce soit en jeu ou en film, hein. C'est assez particulier parce que en fait, moi, ce qui m'a amené vraiment sur le jeu de société, c'est les films. Ouais. C'est, on va dire, Le Seigneur des Anneaux. Voilà, qui m'a amené tout de suite vers le jeu de rôle. Forcément, l'univers médiéval fantastique, quand il y a Le Seigneur des Anneaux, voir au cinéma, ça en jette, donc on a envie de se projeter dans cet univers. Mais maintenant, par la suite, maintenant, je suis plus science-fiction. Ouais, d'accord. Donc j'ai un peu évolué dans les univers que j'adore voir, quoi. Tiens, on va faire une petite digression. C'est quoi les derniers films de science-fiction qui t'ont particulièrement botté? J'adore surtout les vieux films. Ceux que tu as vu récemment, en tout cas. Les derniers en science-fiction, le dernier que j'ai regardé, c'est Matrix. J'arrête pas de me faire les Matrix. La trilogie. Je me les fais tous les ans. Comme les Harry Potter, c'est les séries que je fais tous les ans. J'imagine que tu sais qu'il y a le 4 qui doit sortir, je sais plus si c'est en 2021 ou 2022, je crois que c'est en 2021. Can You Reach Forever, quoi. L'air de rien, je crois que moi aussi j'attends Matrix 4 avec impatience. Je me demande bien comment ils vont rebondir sur l'histoire cette trilogie. On dira rien, parce que il y a peut-être des gens parmi vous qui n'ont pas vu Matrix, c'est pas normal, filez le voir. Pareil, si vous avez pas vu Jurassic Park, Matrix, c'est les deux qu'il faut absolument avoir vu sur les années 80. Donc vous filez tout de suite les regarder, hein. Et puis après on n'en parle plus, voilà. Alors revenons. Donc Manu, je vous rappelle qu'il va ouvrir une boutique de jeux sur Nevers qui s'appelle Le Repère. Alors nous enregistrons cette émission tous les mois. À l'heure où on enregistre cette émission, on est encore confiné et la boutique n'a pas encore ouvert. Non. Mais je pense, Manu, que tu dois être en mesure de nous dire approximativement quand est-ce que tu seras ouvert. Alors l'objectif, c'est d'ouvrir pour les vacances de Noël. D'accord, très bien. Là, ça dépendra surtout des fournisseurs. Parce que faire des commandes en fin d'année, en période de fête... Et oui, ça doit être plus compliqué. C'est assez compliqué. Donc là, je commence à déjà passer des commandes. Donc dès que les commandes sont arrivées, dès qu'il y a du stock en magasin, la boutique ouvrira. Bon, super. Alors, ce qui doit vouloir dire qu'au moment où vous écoutez cette émission, la boutique est peut-être déjà ouverte. Oui, ça se pourrait, oui. Alors, on peut peut-être dire quelque chose, on le redira en fin d'émission, mais on n'a pas dit où elle était située, cette boutique. Est-ce que tu veux bien nous dire où est-ce que c'est à Nevers? Et la boutique, elle est au 16 avenue Général de Gaulle. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est anciennement au Cœur des Fleurs, donc un fleuriste. Donc, c'est un très beau local, un très grand local. À la place du fleuriste, avenue Général de Gaulle, donc en plein milieu de l'avenue. Ouais. D'accord. Eh ben pas de problème, moi je vois où c'est, en tout cas je viendrai. Hein. Alors, on rappelle donc une boutique de vente de jeux, on a dit que tu ferais du snacking, une partie pratique, ludique. Est-ce que tu pourrais nous dire comment t'es venu l'idée, comment est né le projet d'ouvrir une boutique de jeux sur Nevers? Eh ben en fait c'est lié un peu à mon parcours professionnel, pardon. Ouais. Donc en gros, quand j'ai le dernier endroit où j'ai travaillé, c'était un magasin de jouets, Jouet Club pour le citer. Et en fait je m'occupais du rayon jeux de société. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui jouait aux jeux de société dans la région. Tout à fait. Et je m'y attendais pas du tout, même si j'avais entendu parler de toutes les associations, même aller voir certaines associations.
je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de joueurs, même des personnes qui étaient intéressées par jouer. Ouais. Et puis en partant de cette boutique là, de ce magasin, je me suis dit il y a peut-être moyen de faire quelque chose, de lier ma passion avec le travail. Ouais. Et du coup l'idée d'une boutique m'est venue, et plus j'y réfléchissais, plus je me disais ouais, mais je peux pas faire une simple boutique de jeux, parce qu'il y en a déjà pas dans le coin, même s'il y a Jean de la Lune qui fait déjà, ouais, du jeu de société. Mais je dis faut quelque chose qui d'une me ressemble, et de deux qui attire du monde. Et là c'est là qu'est venue l'idée de la salle de jeu, puis après l'idée du snacking pour que les gens puissent rester encore plus longtemps en boutique. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et tu disais là en début de réponse que tu trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient dans la région, et tu as complètement raison. Moi qui fais de l'associatif depuis maintenant presque 25 ans, à Nevers, on a de la chance, en fait, on a beaucoup de joueurs. Mm-hmm. Hein, y a beaucoup de gens qui aiment jouer, et effectivement il y a déjà pas mal d'associations, et c'est normal qu'il y ait une demande, en fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'endroit pour jouer sur Nevers, c'est compliqué. Alors, hors confinement, évidemment, encore une fois, hein. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Et donc, du coup, tu allies ta passion à un joueur de jeu qui est vendeur de jeu. C'est ça, voilà. Ouais. Ah, je pense que ça fait un bon CV pour un vendeur de... Non, mais c'est vrai que quand on veut vendre un produit, je crois qu'il faut croire en son produit et être passionné par l'activité qui est liée. Bah forcément, ça facilite. Tu vas être le premier à tester tout un tas de choses que tu vas vendre après. C'est effectivement une bonne idée. Alors, ça fait longtemps que tu travailles sur ce projet, parce qu'on en avait déjà discuté il y a quelques temps ensemble sur l'ouverture prochaine, mais ça a dû te prendre déjà pas mal de temps. Puis j'imagine que l'année confinement Covid n'a pas dû te faciliter la tâche. Eh ben, ça fait plus d'un an que je suis sur le projet. Effectivement, le Covid a pas mal ralenti tout ce qui était paperasse, dire ce mot-là, paperasse, papiers, enfin bref, tout ce qui est création d'entreprise a été assez long. Après, le plus compliqué, c'était de trouver un local. Parce que trouver un local, en période de confinement, avec les interdictions de sortie. Avec le confinement. C'était assez compliqué, mais j'ai eu des visites de locaux avec des propriétaires qui ont tout fait pour que le local puisse être visité, donc avec les dérogations et tout. Ouais. Donc du coup, ce qui était assez sympa. Et puis au final, j'ai visité, sur trois locaux que j'ai visités, j'avais le coup de cœur pour celui que j'ai pris. Et du coup, au final, une fois que le local était trouvé, là, ça a été assez vite, on va dire. Mais après, tout le temps de recherche, le temps de création a été assez long. Ça se comprend bien évidemment avec cette année tout étrange c'est ça. en termes d'activité. Donc on reprend un peu, tu nous dis du jeu de plateau, du jeu de rate, du jeu de rôle, du jeu de figue, du jeu de cartes, peut-être du jeu vidéo. Alors du jeu vidéo, peut-être sur des événements, d'accord, mais pas sur de la vente. Ok, voilà. Très bien. Et alors, tu as déjà une idée de ce que tu vas proposer d'emblée en pratique ou en produit de base, j'ai envie de dire, quelle gamme de jeux on va pouvoir trouver chez toi Vous allez trouver un peu tous les classiques, et puis surtout les nouveautés. Je vais essayer de vraiment carburer sur tout ce qui est nouveauté. Mm-hmm. Bon, là, pour les fêtes, ça risque d'être compliqué, les nouveautés, c'est vu que je suis une nouvelle boutique, les nouveautés sont réservées aux boutiques plus anciennes. Oui, bien sûr. Mais l'objectif, ça va être d'avoir tout le temps un flot de nouveautés qui arrive en boutique, et puis sur tous les types de jeux, sur toutes les plus grandes marques que tout le monde connaît, Gigamic, Asmodée, tout ce qui est les gros jeux de plateau et les gros jeux de figurines de chez Black Legion, qui sont quand même des assez gros jeux. Est-ce que tu peux nous citer un titre ou deux de ces jeux de figurines? Black Rose. Ouais. Qui est assez conséquent. C'est assez badass. Ouais. Oui, donc c'est des jeux, pour ceux qui visualiseraient pas, c'est des jeux avec beaucoup de matériel, beaucoup de figurines. C'est pas forcément des jeux ultra compliqués, mais l'idée c'est qu'effectivement c'est des grosses boîtes, ouais, qui sont d'ailleurs bêtement pas données, parce qu'il y a beaucoup de matériel dedans. Et effectivement, on trouve pas ça partout. c'est pas donné, mais quand on voit le prix d'un jeu vidéo et le temps qu'on passe sur un jeu vidéo, ouais, et le temps qu'on passe sur ces gros jeux de société, c'est équivalent, quoi. C'est un très bon argument. C'est un très bon argument, bravo. Merci. Ah, je vois que tu as bien visé ta copie. Ouais, non, mais c'est vrai. On dit par exemple, je sais pas, le Black Rose, il est à quoi, 70, 80 euros? Oui, c'est ça à peu près. Bon, effectivement, c'est le prix d'un jeu, j'allais dire PS4, PS5 maintenant, neuf, hein, c'est... Et un jeu vidéo, au mieux, enfin en moyenne, on y passe 15 à 20 heures.
Un jeu de plateau comme ça, on peut y passer quelques années avant de se lasser. Quand on sait le temps que prend une partie déjà. Donc oui, c'est vrai que le ratio prix-temps, on se plaint souvent des prix des jeux de plateau, mais c'est comme tous les marchés, les prix évoluent parce que les jeux changent aussi et qu'il y a des choses qui se mettent aussi en place en amont pour mieux rémunérer les créateurs de jeux, les auteurs de jeux. Donc c'est pour ça qu'on voit des jeux parfois qui sont un petit peu plus chers. Il y a aussi l'autofinancement qui est pour pas mal, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça permet d'avoir des vraies pépites aujourd'hui. Ah, c'est ça. Et puis les jeux, ils sont de plus en plus complets. Et puis les produits sont de meilleure qualité aussi. Hein, Je me suis offert un jeu de plateau qui s'appelle Time Story, qui est sorti il y a quelques années. Je me suis offert l'année dernière. La boîte de base était déjà pas donnée. J'ai dû le payer 50 ou 60 euros. Et c'est un jeu de plateau où vous vivez une enquête à la manière d'un jeu de rôle. Donc en fait, vous jouez un scénario, mais une fois que le scénario est joué, il est joué. Donc vous pouvez racheter des boîtes d'extension avec d'autres scénarios. Donc très vite, avec deux ou trois scénarios, on est à plus de 100 euros de dépenses. Mais on a un jeu qui est exceptionnel, effectivement. Et je trouve que celui-là, ça fait vraiment penser à la consommation du jeu vidéo en termes de pratique ludique, parce que une fois qu'il est fait, il est fait. C'est vrai que le côté extension rappelle un peu les DLC dans le jeu. Ouais, exactement. Ça fait durer le jeu. Après, il existe aussi maintenant toute une gamme de jeux jetables qui n'existait pas il y a quelques années. Et ce que j'entends par jeu jetable, c'est par exemple la gamme des jeux Exit, où vous allez sûrement détruire le jeu en jouant avec. Ça peut paraître fou, mais oui, il y a des jeux où on va déchirer des cartes, on va arracher des pages de la règle ou de la notice pour pouvoir jouer avec. Et une fois que c'est fait, quoi. Et puis, la gamme de Unlock où c'est pas jetable, mais c'est vrai qu'une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus y rejouer puisque vous connaissez toutes les énigmes qui constituent le jeu. Après, ce qui est intéressant avec le Unlock, c'est de défier les autres amis à faire un meilleur score que nous. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que Unlock, c'est ce qu'on appelle les jeux de plateau d'escape game, c'est un nom un peu barbare, vous permet d'avoir une note à la fin de votre partie puisque ça fonctionne avec une appli qui va calculer tout ce qu'il faut au moment où vous allez résoudre vos énigmes, mais vous allez avoir une note sous forme d'étoile, je crois, à la fin. Oui, c'est ça, c'est des étoiles. Et puis le temps que vous avez mis à résoudre l'enquête qui vous est proposée durant la partie. Donc oui, effectivement, on peut se tirer la bourre avec d'autres équipes de joueurs. C'est vrai qu'on devrait réfléchir à faire une petite compétition d'Unlock, mais il faudrait presque un jeu spécifiquement pour... Donc, on a dit jeu de plateau, jeu trad. Tu me disais, jeu trad, je suis un peu curieux. Qu'est-ce que tu penses avoir comme produit en jeu trad? Du jeu d'échecs, du jeu de dames, du jeu de domino, vraiment les classiques. Très bien, Les petits chevaux, parce que y a toujours des personnes qui sont demandeurs. Ouais, bien sûr. Un magasin de jeux de société sans le jeu de dames, sans le jeu d'échecs, c'est pas un magasin de jeux de société. Non, je suis bien d'accord. Le jeu d'échecs, surtout cette année, avec la mode du jeu de la dame, la fameuse série Netflix qui bat tous les records. J'ai vu des statistiques là dernièrement, tous les clubs d'échecs enregistrent plus de participation, plus d'adhésion, les ventes d'échiquiers ont été multipliées par 5, je crois. C'est pas étonnant, la série est bien d'ailleurs. J'ai regardé la série. Voilà, si on a un autre conseil vidéo à vous donner dans cette émission, si vous avez Netflix, regardez le jeu de la dame, il y a 7 épisodes, ils sont vachement bien. C'est ça. Alors, j'en ai mangé ce que je voulais te demander après. Donc, on disait jeu de plateau, jeu de trad, jeu de rôle, jeu de figue, jeu de cartes, on ne cesse de le répéter. On va passer à autre chose. Tu me disais que tu avais prévu une déco sympa. Eh oui, en fait, toute la décoration du local, en fait, ça va être une décoration un peu industrielle. On va essayer d'amener beaucoup plus de végétation pour vraiment faire un coin abandonné et repris par la nature. Et en plus, on a eu la chance d'avoir Custy, donc un graffeur de Nevers, qui nous a fait toute la déco de la salle de jeu. Donc j'en dis pas plus parce que je laisse la surprise, mais il nous a fait une sacrée déco dans la salle de jeu, qui est une ancienne chambre froide, parce que le fleuriste avait une chambre froide. Donc du coup, on a réutilisé la chambre froide pour éviter de la détruire. On l'a réutilisée pour faire une salle de jeu, et elle a été toute décorée, donc toute graffée par Custy, qui est le graffeur qui a fait entre autres les devantures des Courlis, et aussi il a fait récemment la piscine de la Jonction, la fresque sur la piscine de la Jonction. Je vois. Un très très bon graffeur, quoi. Ça devrait avoir de la gueule. J'espère que d'ici à ce que cette émission soit sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube en particulier, j'essaierai de passer pour faire quelques photos, si tu le veux bien, pour pouvoir illustrer en images ce que vous entendez à l'heure actuelle. Alors oui, je me souviens de ce que je voulais te demander. Figure-toi que l'ouverture de ta boutique dans le petit monde des joueurs, ça a fait un petit peu des mules et j'ai déjà entendu plein de rumeurs. Alors, tu vas pouvoir me confirmer ou me déconfirmer ce que j'ai entendu, mais
il paraîtrait que tu voudrais vendre des jeux d'occasion. Oui. C'est vrai ? C'est un objectif, ouais. Ah, c'est, ben ça, c'est une super bonne nouvelle, ça. Le but, en fait, des jeux d'occasion, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une boîte à 70 euros, comme on le disait, ouais, bien sûr, d'arriver à trouver des jeux de moins bonne qualité parce qu'ils seront d'occasion, mais ils pourront les payer moins cher. Ben ouais, bien sûr. Donc, je travaille encore sur le comment y amener. Bien sûr. Parce que l'occasion, c'est assez compliqué, parce que ça veut dire que chaque boîte que les clients nous amènent, il faut tout vérifier un par un. Il y a des jeux, il y a plus de 1000 pièces par jeu. Bah, donc c'est pour ça que je suis encore en train de réfléchir à la façon dont je vais procéder pour faire de l'occasion. Mais l'objectif, ouais, c'est de faire de l'occasion. Bon, eh ben super. Super. C'était la petite rumeur que j'en avais pas parlé avant. Et c'était la petite rumeur que j'avais entendue. J'ai oublié d'en parler, mais bon, comme ça fait la petite surprise. Bien, ben écoute, d'après tout ce que tu nous dis, on voit que t'as vraiment eu l'envie de mettre le point fort sur un accueil qui soit, je sais pas comment dire, convivial, agréable. C'est le but. Ouais, c'est un beau projet. J'ai déjà des personnes qui m'ont dit, bon, on passera juste boire un café le midi et puis discuter. Bah oui, il y aura une table qui sera là pour les gens qui veulent juste discuter jeux de société, ouais, ou même autres. Hein. Ouais, on parlait de films, ça peut parler de films en boutique. Ça ne dérange pas. Je suis assez cinéphile, donc au contraire. Hein. Mais c'est ça, quand on réunit des geeks, des nerds ou des joueurs, hein, tout ça, simplement, ça peut vite digresser. La preuve en est. Hein. Alors, je te propose qu'on fasse une deuxième coupure musicale. Nous allons écouter un morceau de Devin Thompson qui s'appelle Lucky Animals. C'est parti! Yeah.
Et voilà, c'était Devin Townsend avec Lucky Animals. Alors j'ai vu tout le monde sourire autour de moi quand j'ai dit le titre. J'imagine que je l'ai écorché. Bon, je pose systématiquement cette question, Manu. Mais alors, pourquoi tu nous as apporté ce morceau-là en particulier? Ça t'évoque quelque chose? C'est le morceau qui me met la patate le matin quand je l'écoute. En fait, ça reste du métal. Bon, vous avez compris, j'écoute un peu beaucoup de métal. Ah bah du coup là, oui, on avait bien compris. Mais cette musique-là me donne la patate. Et puis depuis qu'il y a eu le fameux clip, qui n'est pas un clip, que le chanteur a fait avec sa petite danse, à chaque fois j'ai la danse en tête. Ah, et ça me fait. Explique-nous un peu plus, parce que alors là, pour le coup, moi je ne suis pas au fait. Mais... Et ben le chanteur, donc Devin Townsend, a sorti un clip où il fait une petite danse sur cette musique, mais ouais. Une danse complètement. C'est un mélange entre de la tectonique et je sais pas quoi, ça ressemble à rien du D'accord. tout. Et il y a eu des concours sur internet de ceux qui arrivaient mieux à refaire la danse. Et puis du coup, vu que la musique, pour moi, comme je dis, c'est la musique qui me donne la bonne humeur, à chaque fois que je l'écoute, je suis de bonne humeur parce que je vois cette danse-là. Dansé D'accord, par des gens que je connais alors qu'ils l'ont pas forcément fait, mais c'est voilà, il y a un petit aspect sympa de cette musique. D'accord. Alors revenons au repère. Tu nous disais tout à l'heure que tu prévoyais peut-être du jeu vidéo pour des événements. Donc tu prévois d'organiser, de faire de l'événementiel? Ah oui, il y aura de l'événementiel, il y aura tout ce qui est tournoi pour les jeux de cartes. Faut savoir que des tournois, il y en a pratiquement tous les week-ends un peu partout. Si on compte tous les jeux de cartes entre Magic, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, parce qu'on a une communauté du genre Dragon Ball sur Nevers. Même Pokémon, le jeu de cartes, a pas mal d'événements. Donc il y aura déjà des tournois pour tout ce qui est jeu de cartes. Je parle beaucoup avec des joueurs de jeux de figurines, de Warhammer, qui pareil veulent mettre des événements en place. Ouais. Donc après, il y aura peut-être pas des tournois de Warhammer parce que c'est assez compliqué, mais des soirées initiation, jeux de figurines, parce que c'est assez complexe pour les personnes qui connaissent pas. Ça peut paraître assez complexe, donc des initiations, des concours de peinture, des initiations à la peinture aussi, et surtout des événements aussi autour du jeu, donc pas forcément jeu. Donc là, je suis en train de voir pour faire des événements sur le thème du dessin, sur le thème de l'écriture, voilà, tout le monde du jeu, mais au sens large. Quoi. D'accord, très bien. Et tu disais des soirées d'initiation, des choses comme ça, tu prévois de faire des nocturnes du coup? Oui, de toute façon, les horaires de la boutique, la fermeture, ce sera à 23h le vendredi et le samedi, et à 21h en semaine. Donc, vu qu'il y a le coin snacking, c'est pour permettre aux gens de rester un peu plus tard le soir. De faire une petite partie, après avoir gagnoté. Ah, super. Donc, il y aura un lieu ouvert en début de soirée et en soirée les week-ends pour pouvoir faire du jeu. C'est ça, exactement. Et ouvert le dimanche aussi. Super, Manu. Super. Alors, si on veut plus d'infos, si on veut te contacter, comment on fait, Manu? Alors, pour le moment, il faut me contacter par Facebook. Ouais. Vous tapez le repère jeu de société snacking, vous allez tomber directement dessus. Donc, le logo, c'est un petit nounours. D'accord. Tout gentil avec un chapeau et un monocle. Le mot. Donc, une fois que dessus, vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds assez rapidement en général. Après, j'ai un site internet qui est en création pour le moment, donc je peux pas trop partager dessus parce que j'ai pas le lien, il est vraiment en création. Et après, je vais avoir tout ce qui est tous les autres réseaux sociaux, Twitter qui vont arriver. Voilà. Donc pour le moment, si vous cherchez des infos, on a dit Facebook, le repère, jeux de société, Nevers, snacking, tout ça, vous devriez trouver. Si vraiment vous trouvez pas, sur la page du Conservatoire du jeu, on a déjà partagé à plusieurs reprises des infos qui venaient de la page Facebook du repère, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, dès janvier-février, tu auras tout ce qu'il faut en réseaux sociaux pour te joindre. C'est ça. Parfait. Eh bien, merci Manu. Je reviens vers toi dans un tout petit instant, le temps de faire une annonce ou deux. D'habitude, en fin d'émission, je vous évoque le programme d'animation à venir. Malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, on est en train d'enregistrer l'émission et au moment où nous enregistrons, on est toujours en confinement. Donc, pas d'animation en public de programmée pour le moment. Tout ça est encore en termes de réflexion, d'agencement et tout le tralala. Mais si tout va bien, vous devriez pouvoir nous revoir d'ici fin janvier avec le Conservatoire du jeu pour l'une des scènes de crime qui avait été déprogrammée sur octobre et novembre. En tout cas en toute fin d'année. Alors, comme c'est l'actualité des événementiels en ce moment, ça bouge pas beaucoup, mais quand ça bouge vite. Alors moi aussi, je vous invite, si vous êtes intéressé par nos événementiels, à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est là où on met les informations les plus fraîches en instantané. Donc sur les réseaux sociaux, je vous rappelle, le Conservatoire du jeu sur Facebook,
Instagram, Twitter et puis évidemment le conservatoire du jeu.fr, le site internet pour les autres informations. Néanmoins, vous savez, le conservatoire du jeu intervient toujours dans vos structures, donc que ce soit une école, un collège, un lycée, une maison de retraite, il y a de fortes chances pour que nous soyons de passage, de consulter les plannings de vos structures, il y a de fortes chances pour que vous puissiez nous retrouver. Et puis sinon, là-dessus aussi, vous trouverez des informations sur nos réseaux sociaux. Eh bien, Manu, écoute, l'émission se termine. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin ? Venez au repère. Après, non. Non, mais tu sais. Voilà, bah oui. C'est très bien. C'est très téléphoné, mais. Vous devez venir voilà. Au repère. Ou passez-moi juste boire un café. Moi, ça me fait plaisir de voir du monde. Eh bien, écoute, Manu, on n'y manquera pas. Il n'y a pas de souci. On continuera à parler de Jurassic Park et de Matrix. Ça marche. Autour d'un café. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Manu, d'avoir été mon invité. De rien, merci de l'invitation. C'était notre c'était notre 23e émission de À quoi qu'on joue. Donc vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions sur le podcast de Bac FM sur bacfm.fr, mais aussi sur la chaîne YouTube du Conservatoire du jeu, donc en cherchant Conservatoire du jeu sur YouTube. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés de nouveau ce mois-ci. Je vous dis au mois prochain et je vous dis surtout à 2021, en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, rappelez-vous, soyez ludiques !